Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de nos amis, la PNR Family. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va raser les chaussures des gens. Pour 100 euros. Eh, c'est quoi? J'ai pris ça. Et si jamais il n'y a plus de batterie, j'ai pris ça. Moi je préfère la tondeuse électrique au pire. Hein. Le but du jeu. Les sous ils sont là. Et tu sors la tondeuse dans sa poche. Ouais, mais montre que c'est pas du fake quoi. Ah, c'est barré avec. Bon, ouais. Vas-y, viens, on va faire du shopping. On va faire du shopping. Attends, t'aurais dû les garder, on serait fait partir faire du shopping nous. Viens, on se casse. C'est bon. Allez, salut. Salut. Nous, on va faire du shopping. On va faire du shopping, alors on a combien? Je sais pas, il y a au moins 200 balles. Allez, c'est parti. Oh non. Bon alors donc, but de la vidéo. Du coup, attends, le but de la vidéo, arrête. Raser les sourcils des gens. C'est de raser les sourcils des gens. Raser un donc on va demander pour combien les gens seraient prêts à se raser. Ouais, tiens. Merci. Donc pour combien les gens seraient prêts à se raser. Et les sourcils, hein. Parce que la dernière fois je l'ai fait dans mon ancienne vidéo où j'avais fait les cheveux. Et il y avait avec un mec chelou en vacances. De gens qu'on connaît pas dans la vraiment. Allez, mais et franchement, faut être courageux, bravo monsieur. Courageux. Monsieur, il a géré comme ça pour 100 euros, il peut se faire un bon resto après avec sa femme, ses enfants. En plus, combien? Et coupe de cheveux, on vous coupe les cheveux, vous gagnez 100 euros. Et il y avait quelqu'un qui avait pris 100 euros. Je suis d'accord. 1000 euros les sourcils. Mais après, tu fais un tatouage après derrière. Pour 100 euros. 100 comme ça, je suis SSI 3 beaucoup. Allez. Bon, faut trouver des gens maintenant. Allez, on commence. Je vais demander parce que moi je les reconnais. Mais c'est personne qui va se raser. Ça pourrait être un sourcil ou une moustache. Parce que les gens qui ont des moustaches, ils veulent pas les. Oh non, non, un sourcil c'est mieux. Ouais, mais un sourcil c'est quoi? Ouais. Eh, au pire. Attends, c'est un sourcil ou les deux? Bah, un sourcil 50. Eh, les gars, je vois les trucs. Allez. Une remarque, ceci dit, dans ce cas-là, c'est vrai qu'au final, les deux. Ouais. C'est peut-être mieux de raser. Bah, plus homogène quoi. Ouais. Alors, c'est parti, on commence maintenant. Allez, allez, on cherche des gens. Bonjour, on fait une petite vidéo YouTube. Juste savoir si vous avez combien on pourrait vous raser un sens. Il y a de l'argent à gagner. C'est pour gagner de l'argent. Alors, si je donne mon tarif, ce sera pour le moment. Alors, pour combien par exemple, là tout de suite, vous serez capable d'accepter de l'argent pour raser un sourcil? Moi, je suis sûr que t'es capable. Allez, est-ce qu'on. Est-ce que pour 50 euros un sourcil? 50 euros tout de suite, et comme ça, il fait. Moi, j'accueille tout de suite. Bah, je sais. Et après, il fait Bah, les deux sinon, hein. Et puis, ça un trait de liner, et puis. Ouais, voilà, on s'emballe les deux. Ouais, on s'emballe les deux. Non, non, là, non. 100 euros les deux. 100 euros, ça fait un bon petit truc, là, ça. 100 balles les deux. Ah. Et après comme ça, ma mère allait vous voir. Sans balles, j'ai les sous là. J'ai les sous là. En pleine négociation. Ah là, c'est la négo là, c'est la négociation là. Ça repousse vite. Bah, ouais, ça repousse vite. Ça repousse pas, c'est notre anniversaire de mariage. Bah voilà nos restos pour l'anniversaire de mariage. Alors, qu'est-ce qu'on fait, gars? Je prépare les 100, ils sont arrêtés. 100 balles. 100 balles. Eh, madame, elle pousse un peu là. Faut écouter madame. Faut écouter madame. Parce que je les connais par cœur. C'est vrai? Pour votre femme. Regarde. Pour votre femme. Il y a 100 euros. Je les mets comme ça dans sa main, déjà, ça met de l'envie. C'est parti. Allez. Prochain cours, de bonheur. Bien. Bon bah alors on fait ça. C'est parti. Allez. Allez, on va faire. Allez. Première personne, c'est première course. Juste une personne seulement. La première personne, t'as bien choisi. Alors attends. Là je suis la première. Vas-y. Tatoué comme moi. C'est parti. Allez, donc c'est quoi le truc là? Le challenge c'est voilà, pour combien tu te rases les sourcils? Je suis tombé sur un petit couple bien sympathique et pour 100 euros. Moi je dirais pas, mais madame a un peu forcé monsieur. Allez, donc pour. Pour 100 euros, le monsieur il a accepté de se raser les sourcils. C'est parti. Allez, vas-y, go. Allez, 100 euros. Allez, c'est parti. Allez.
Pour 100 euros, attention. Eh, franchement, trop chaud. Moi, j'aurais jamais d'avis de rien, mais il est en train de raser les... Oh là là. Ça franchement, ça va, ça va. Ça va, ça va. Ah, franchement, ça fait. Allez, deuxième. Franchement, ça fait. En vrai, ça va, ça change pas beaucoup. Et il reste encore des poils, ça va. Il reste encore des poils. Chut. Maman, ça s'appelle ça, j'ai mis un 100 balles aussi, t'as dit. Alors, voilà, là, et là, je le fais bien contre moi. Parce que, ouais, celui-là, il était pas très bien fait. Et voilà, et bah franchement. Allez, il n'y a plus de sourcils, mais franchement ça va. Ça va, franchement. Monsieur, on applaudit la Je vais pas regarder le miroir pendant 15 minutes. Je veux même pas voir. Franchement, ça fait. Non, franchement, ça va. En fait, ça fait encore la trace, donc ça va, franchement. Ça fait pas bizarre, moi, je trouve. Ouais, bah. J'adore. Eh bah, franchement, un bon joueur. Ah ouais, grave. Nicolas. Nicolas, merci à Nicolas. Et... Bravo. Et Coco. Bravo. Attends, on prend une petite photo ensemble. Allez, on a une photo. Allez. J'ai pas ce que vous remercier. Grave. Franchement, bravo. Bah écoutez, franchement, la vidéo elle était plus vite que prévu. Oui, c'est clair, non mais vous rendez compte, première personne. C'est dingue. Franchement, tu l'as bien choisi. Je me suis dit, putain, elle avait une tête sympathique et tout. Ouais, super. Eh, heureusement que sa femme a forcé. Franchement, merci Coco. Heureusement que sa femme elle a un peu forcé, elle a dit, allez, c'est notre anniversaire de mariage ce soir et tout. Je te promets, tu regarderas la vidéo des cheveux, tiens, que j'avais rasé. C'était ici, pile poil. Oui, c'est vrai en plus. Ouais. T'as un bon karma ici. Ouais. Bravo Franck. Bravo. Il y a peut-être encore à faire un peu. Ouais. On applaudit Franck. Ouais. Et on applaudit. Hein. Bravo Franck. Pour 100 euros, il s'est fait couper les cheveux. Et bah, elle est belle. Tu peux lui en avoir des cheveux. Ça fait beau gosse en plus. Ouais, ça fait trop classe. Ouais, c'est ça. Il perd 100 balles quand même. Hein. Ah. Ouais, il perd 100 balles. Émy, tu veux y aller ou pas? Ah, non, par contre, tu vois, ça aurait été mieux avec ça. Ça aurait fait. Non, parce qu'après, non. Non, déjà, faut oser. Hein. Ouais. Parce que tu vois encore la trace, mais t'as plus de sourcils, quoi. Ouais. Faut oser. Bon, en tout cas, voilà, c'est bien joué. Et les gens, ils ont des... Ah ouais, j'avoue. C'est super sympa, en tout cas. Franchement, ouais, c'est Coco qui l'a poussé. Tu veux pas qu'on aille au resto, ce soir? Non, c'est pas notre mariage. Il me reste encore un peu de thunes. C'est mariage. Eh, 5 euros. Un bubble tea. Bon, allez, du coup, bah voilà. Bon, c'est la fin de la vidéo. À tous, des gros bisous. Ouais. Et merci à vous d'être venus. On a bien fait.